Moi, j'étais une fille qui s'ennuyait beaucoup à l'école. J'en avais marre de suivre des cours. Au lycée, j'ai fait un bac STI 2D. Ça m'a plu et après ça, j'ai commencé un DUT, faire du code dans un amphithéâtre ou sur du papier, ça me plaisait pas. Je me suis tournée vers 42 pour passer à la piscine. Ça m'a plu tout de suite. C'était hyper intense et hyper positif en fait. 42, ça a été beaucoup de phases différentes. On était tous hyper à fond. L'arrivée du premier stage, ça se calme un peu. On rentre dans le monde du travail. Moi, je connaissais pas du tout puisque je sortais directement de l'école. C'était complètement différent quoi. C'était un grand moment. Après, quand on revient à 42, bah, on est là, bon, bah, qu'est-ce que je fais après? Il y a tout l'arbre de compétences qui s'ouvre. Quand j'ai fait les piscines mobiles, bah, ça a été la révélation. Du coup, j'ai fait un stage en mobile. Ça a confirmé que c'était ça que je voulais faire. Au bout d'un moment, bah, on refait quand même assez souvent les mêmes choses. C'est un peu frustrant et donc j'ai décidé de me lancer en freelance. Ça consiste à être son propre patron. Même il y a un an, je me disais freelance, oulala, c'est pour dans 10 ans, ça, quand j'aurai beaucoup d'expérience. Je me suis dit, en fait, non, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Tu vois, tout ce que tu as déjà fait, bah, tu peux continuer sur cette voie-là. Merci 42.